Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter des objets dans des distributeurs automatiques. Donc pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des distributeurs automatiques de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors moi je vais tout simplement me diriger vers Logjam parce que je sais qu'il y a deux distributeurs automatiques juste ici, donc je vais bien évidemment faire attention de ne pas me faire tuer parce qu'il y a un ennemi. Je vais prendre une arme. Et en fait, pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter 3 armes. À 3 armes, ça peut être des objets de soins, ça peut être des armes. Mais vous allez devoir utiliser le distributeur automatique 3 fois pour terminer le défi. Donc regardez, hop, le distributeur automatique est juste là devant moi. Voilà, juste ici. Donc j'appuie sur carré, j'achète par exemple, je pense même que ça fonctionne avec des munitions, hein. J'achète des munitions, j'achète un pistolet mitrailleur, j'achète un autre pistolet mitrailleur, comme ça, j'ai acheté 3 choses dans un distributeur automatique, et là, normalement, j'aurai terminé le défi. Je ne pense pas qu'il faut acheter 3 objets dans 3 différents distributeurs automatiques, mais si jamais il faut acheter 3 objets dans 3 différents distributeurs automatiques, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, ça aidera la communauté. Mais logiquement, je pense qu'avec un seul distributeur automatique, vous pouvez acheter vos 3 objets, et quand vous aurez acheté les 3 objets, bah, vous aurez terminé le défi, ce qui vous débloquera les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SwakuloMec et ciao. Peace.